Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus. Alors, je me suis retrouvé dans ce projet de Black Jesus, expression libre, invité, j'ai eu le privilège et l'honneur d'être invité par Pablo et le frère Stone. Alors, quand je suis arrivé chez Pablo un jour, donc en 2020, d'ailleurs je le dis dans la chanson, hein, comme il disait Pablo, c'était le confinement, et Pablo m'a fait, et Stone m'ont fait écouter l'instrumental, et là, j'ai été brutalisé parce que la musique, elle parlait vraiment, elle était, ben, j'ai trouvé jolie, avec un thème bien posé, tout ce qui sonnait, avec un plus, il y avait un pont. Et ensuite, après avoir écouté, bon, ils m'ont expliqué un peu le projet Expression Libre avec un sujet qui était Black Jesus. Et en fait, sur le tas même, dans la même journée, j'ai pris un papier et un crayon avec Pablo, un papier et un crayon, et puis j'ai commencé à écrire. J'ai écrit la chanson sur le tas, et après on a enregistré sur le tas, quoi. Donc c'était un privilège, je voudrais que vous les applaudissiez encore vraiment, parce que c'était une très belle expérience. En plus, pour l'anecdote, j'avais mon fils, parce que je devais garder mon fils, et puis c'est Pierre qui a fait la nounou pendant que je faisais toutes ces histoires-là. Donc merci Pierre pour ça. Voilà. Donc voilà, donc ils m'ont exposé le thème Black Jesus. Moi, en fait, pour écrire la chanson, j'ai séparé les deux, en fait. J'ai pas fait Black Jesus, j'ai séparé le thème Black, et après, je me suis occupé de Jesus, en fait. Et pour la première partie, quand vous allez écouter, vous allez voir, en fait, je la fais en anglais. Parce qu'en fin de compte, il y a une chose qui m'avait, dans ma jeunesse, quand le thème... Et d'ailleurs, je voulais une petite parenthèse. Ouais, quand j'ai écouté les débats ce soir, à part au moment où nous sommes passés au thème Black Jesus, mais j'entendais parler de noir, noir, noir. Et ce thème, moi, il me caresse les oreilles. J'aime bien entendre le thème noir. Ça rime. Nous, il y a pas mal d'artistes là dans ce soir. Et on sait, quand on écrit, on joue avec les mots. On a beaucoup parlé des deux mots. Et le thème noir, il sonne beaucoup mieux dans mes oreilles que le thème black. Parce que le thème black, quand il est arrivé, moi, j'étais dans ma jeunesse. C'était à l'époque, je sais plus, Jacques Chirac et tout ça, là. Ça rimait avec le crack. Et ça parlait de ça rimait avec le crack dans mes oreilles. J'ai jamais apprécié ce thème-là, ce mot-là, le mot black. Je préférais le mot noir. Et je vous remercie, oui, à tous ceux qui l'ont utilisé ce soir, parce que ça a mieux caressé mes oreilles. Et en fait, j'avais vu une interview de Tupac Shakur, que vous connaissez tous. Et Tupac disait, en fait, si Jésus est venu lui, pour changer l'eau en vin, ça, il ne peut pas le faire. Par contre, il peut faire de la prévention dans le ghetto pour que les jeunes, pour que la jeunesse ne puisse pas toucher au crack et tout ça. Donc, en fin de compte, la première partie en anglais que j'ai fait sur la chanson, qui est sur Black, c'est un peu c'est ce thème-là pour continuer la prévention. C'est ce que j'ai fait, en fin de compte. Et je remercie tous ceux. J'ai écouté encore la chanson de Lucky, j'entendais le terme noir qui rime avec espoir, qui rime avec victoire, qui rime avec pouvoir. Et en fait, quand je pense, quand l'assistant disait tout à l'heure, cette alignée, il y a plein de choses qui ont été faites pour nous, pour emmener un peu dans une alignation. Et je pense que moi, personnellement, quand j'ai pris ça à ma jeunesse, je ne pouvais pas supporter ce terme black qui rimait avec le crack. Donc, c'est la première partie. Et la deuxième partie de ma chanson, en fin de compte, j'ai plus survolé le sujet, en fait, en parlant de Jésus en tant que martyr, en voyant les autres martyrs aussi qui ont eu Martin Luther King assassiné. Jésus, il a été crucifié, certes, d'après ce qu'on nous a raconté. Luther King assassiné, Malcolm X assassiné, vous connaissez tous. Voilà, tout ça. Donc j'ai plus regardé le côté martyr de Jésus pour la chanson. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Sagré. Merci beaucoup, Sagré.